j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Kia Bi spécial nouveauté, spécial collection printemps, peut-être été. Non, je blague un petit peu, mais enfin les magasins ont rouvert et je vous avoue que mes trois enfants commençaient à être en galère de vêtements. Si vous aussi, c'était le cas, hein, si vous aussi vous êtes senti comme moi un peu dépassé par leurs pantalons trop courts et leurs chaussettes trop petites et honnêtement moi j'étais en galère, je commençais à être en galère et vous allez peut-être me dire mais pourquoi Karine tu n'as pas été commandée en ligne etc. Et je vous avoue que tout ce qui est chaussures et tout ça, parfois j'aime pas commander en ligne parce que je ne sais pas exactement leur taille, s'ils ont grandi. Donc j'aime bien tester avec eux en magasin pour tout ce qui est chaussures. Et puis j'avais envie de faire les laisser un peu libre choix parce que malheureusement nos enfants aussi, ça fait un an et demi qu'ils sont à moitié confinés et qu'ils n'ont pas trop l'occasion d'aller dans les magasins. Et enfin voilà, honnêtement moi mes enfants je les emmène jamais au magasin avec moi. Et là j'avais envie de leur laisser un peu le choix, pouvoir prendre des vêtements qui leur plaisent et qui leur font plaisir vraiment et qui vont avoir envie de mettre, sachant que là ça fait quelques temps bah, qu'ils faisaient un petit peu les fonds de placard avec les pantalons qui avaient été mis, remis. Est-ce que vous êtes comme moi? Donc tout de suite on like cette vidéo, on s'abonne si c'est pas encore le cas, et puis let's go pour les vêtements de mes enfants. Gros sac Kia Bi qui est juste là, et j'ai craqué donc pour mon fils qui a 2 ans, pour mon deuxième fils qui a 4 ans et pour ma fille qui a 6 ans. Je vais essayer de vous les montrer par catégorie, sachant qu'il y a 2 paires de chaussures qu'ils ont déjà embarquées à l'école. Pour mon petit crapouilleux donc qui a eu 2 ans au mois d'avril, je lui ai repris quelques petits body manches courtes parce qu'à la crèche il fait chaud. Et en plus là logiquement un jour il va faire chaud en France, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, hein, il pleut tout le temps. Mais du coup j'ai pris voilà en taille 24 mois, j'espère que ça ira parce qu'il est entre le 24 et le 36 mois. Donc en taille 24 mois, des petits body un peu comme ça, blanc et bleu, layette quoi, très doux. Et je lui ai pris des ensembles qui sont assez chauds, hein, pour information. Mais il y avait des petits pantalons, des petits shorts d'été, mais j'ai rien pris pour l'instant pour lui. Au niveau petit ensemble, en 24 mois, je lui ai pris ce petit pull qui était vraiment pas cher, à 5 euros. D'ailleurs, les body pour information, c'était 7 euros le lot de... combien il y en a? 5. Donc ce petit pull, mais qui est un pull quand même léger, hein, pour la saison ça ira très bien, surtout quand il pleut. Donc un petit pull comme ça, 5 euros, qui est très sympa, avec écrit « Bother always together ». J'aurais bien aimé trouver pour mon grand, entre guillemets, grand garçon, parce qu'ils auraient mis le même. J'aime bien des fois les habiller pareil, pourtant c'est pas des jumeaux, hein, mais c'est un petit kiff comme ça. Donc en 24 mois je l'ai pris avec le pantalon aussi en 24 mois. Alors je sais pas si c'était ensemble, mais en tout cas c'était pas loin dans le rayon. Et le pantalon un peu... tout doux, léger, pas de jean parce qu'il a pas mal de jeans en stock, donc j'avais envie d'autres styles de pantalons avec les petites oreilles, tout ça, c'est gros mignon. Donc voilà, j'ai pris ça pour lui. Un autre ensemble, trop craquant aussi encore une fois. Le pantalon était à 6 euros et celui-ci aussi à 6 euros, donc vraiment pas cher je trouve. Après avoir la qualité, mais c'est éco-conception qui habille, c'est en 70% coton. Ça a l'air pas mal du tout. Il commence à s'améliorer Kia Bi. Après je vous dirai au niveau de la qualité parce que j'ai été longtemps déçue par Kia Bi au niveau qualité. Vous me direz en ce que vous en pensez. Mais là ça faisait longtemps que j'avais pas été chez Kia Bi. Donc on a pas mal craqué avec ma maman. En tout on en a eu pour 160 euros je pense. Un truc comme ça. Donc c'était quand même du gros craquage. Donc pour mon fils encore je lui ai pris un autre pantalon. Donc avec des petites poches là. Des vraies poches hein, pour information. Et en bas j'aime bien la petite touche comme ça sympa. Donc cette fois-ci j'ai pris en 36 mois pour que ça soit un petit peu plus... enfin voilà, il va le mettre maintenant, mais un peu plus large. Et le petit pull à 5 euros, qui est vraiment pour l'occasion, hein, fête des mères. Moi, je le trouvais vraiment trop craquant, j'étais obligée de le prendre. Oui, je suis influencée par les petits messages sur, les pulls et les t-shirts, oui. Vous allez voir, d'ailleurs, j'ai pris un t-shirt aussi où j'ai été très influencée. Donc là, my mom is magic. Moi, je suis d'accord. Tout à fait, ça correspond tout à fait à moi hein, et ma classe Harry Potter et ma vie de sorcière de Harry Potter. Donc, en taille 36 mois, encore une fois. Pour ma fille qui a 6 ans, je lui ai pris des vêtements en taille 7-8 ans parce qu'elle est très 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 grande et très fine. Du coup, les pantalons sont très courts ou les robes sont assez courtes, donc je lui prends grand grand grand. Et je passe un petit coup au sèche-linge et puis ma foi ça passe. Donc là on lui a repris des petits tops en 6 ans parce que ça c'est bien que ce soit près du corps. Donc en 6 ans, des petits tops blancs et roses, histoire de mettre sous les robes, sous les pulls, etc. Je lui ai pris un petit serre-tête comme ça, tout noir, tout basique, avec des petites dents. Pour tenir un peu ses cheveux parce qu'elle est comme moi, elle a des cheveux un peu en pétard comme ça, à 1 euro. Et j'en ai pris un deuxième mais qui n'est pas pour elle d'ailleurs, je l'ai mis. Le deuxième ici c'est pas pour elle hein, c'est pour
l'offrir entre guillemets à une élève de la classe de mon fils qui est en petite section. Il a cassé le serre-terre d'une petite fille. C'était pas celui-ci, mais bon, je me dis que je me dois d'en racheter un pour la petite fille. Donc celui-ci était à 2 €. Tout rose, tout mignon avec un petit nœud, donc ça c'est parenthèse. Pour ma fille, je lui ai pris des petits chouchous comme ça, un peu bleus pour aller avec sa veste en jean. Comme ça, j'ai fait des petits, des chignons un petit peu de danseuse. Et avec la veste en jean, ça va, je pense que ça va bien aller, c'est super joli. Ils sont pas mal du tout, ils étaient à 3 € les deux chignons, il y en a deux chignons. Les deux chouchous, je vais y arriver. Bon, en gadget, vous voyez, j'étais en galère de chaussettes, donc j'ai repris des chaussettes 35-38 à 5 € les, je sais pas combien, 7 paires, donc c'est énorme, c'est pas mal. Je lui ai pris des chaussures et des baskets, donc je vous mets une petite vidéo avec les baskets de ma fille quand elle les porte. C'était 2 € la paire de baskets, un peu rose comme ça, très pâle. J'ai peur qu'elle me les ramène, parce qu'elle les a mis aujourd'hui, j'ai peur qu'elle me les ramène dans un état pitoyable. On verra ce soir, ce sera la surprise, hein, je vous en parlerai sur Instagram. Mais moi, ma fille, au bout d'une journée, ses chaussures sont foutues, hein. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Et là, comme il y avait confinement, toutes ces paires de chaussures étaient vraiment dans un sale état. On verra si elle en prend soin de celle-ci qu'elle a mis ce matin. Et puis on lui a acheté une paire un petit peu plus estivale qu'elle a choisie encore une fois. Elle fait du 31, ma fille, pour information, hein. Et elles sont très jolies. Il y avait pas mal de petites paires comme ça, hein. Et elles ont l'air pas mal au niveau qualité. Donc j'espère qu'elle sera bien dedans pour cet été avec des petites robes, des petits pantalons, des petits leggings. Ça va être très bien. Elle a pris 2 robes parce que oui, c'est une grande fan de robes. Pour info, les petites chaussures étaient à 12 € aussi, hein. Et la petite robe là que je vais vous présenter est à 8 €. Il y avait pas mal de styles. Et la voici. Donc moi j'ai pris un peu bleu comme ça, un peu bleu vert, avec une petite baleine dessinée. C'est un petit peu resserré là au niveau de la taille, je trouve ça sympa. Et elle est longue et j'ai pris en 8 ans, hein, comme je vous l'ai dit, parce que j'aime bien que ce soit long, quand ça passe au séchage, etc. C'est très bien. Ça rétrécit souvent un petit peu, donc c'est très très bien. Vaut mieux prendre un peu plus long. En plus, ils ont tendance, sinon, comme elle a des grandes jambes, à être un peu trop courtes. Donc, c'est la galère. Et elle a pris une deuxième robe, toujours en 8 ans. Celle-ci était à 7 €. Il y avait en bleu aussi qui était très jolie. Nous, on l'a pris en version moutarde, là. Elle est vraiment belle, celle-ci. J'aime bien. Très simple, très belle. Un tout petit peu resserrée à la taille, mais pas beaucoup. Elle est très longue. Et on a acheté pour aller avec une petite ceinture pour faire comme maman. Vous reconnaissez peut-être la robe Shein. J'ai mis ma ceinture noire Shein, comme ça. Et pour copier un peu sur maman. Bah du coup, on lui a pris une petite ceinture noire avec une petite fleur là, comme ceci, pour mettre sur ses robes aussi. Parce qu'elle a certaines robes qui sont un petit peu larges, vu que je prends grand. Donc comme ça, ça fera un peu mieux au niveau du style, je pense. Toujours pour ma fille, je lui ai pris un petit short comme si, un petit short un peu jupette là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il est vraiment beau. Il y avait beaucoup de petites pièces comme ça, très sympa. C'est une taille 8 ans, encore une fois, il était à 9 €. Et j'ai pris pour aller avec un petit t-shirt jaune, qui était tout mignon à 2 €. Et j'en avais pris aussi un bleu, mais il a disparu de la surface de la planète. Donc je pense que il est tombé dans le magasin ou à la caisse, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas dans mon sac, donc j'irai en racheter un. Donc ça, c'est des petits t-shirts que vous avez comme ça là-bas, à Kiabi, à 2 € seulement. Donc je l'ai pris encore une fois en 8 ans, hein, pour que ça soit un petit peu, voilà, loose. Ça ira très bien. J'aurais pu prendre, je sais pas s'il y avait 7 ans. Non, 6 ans. 6 ans, c'est ric-rac, 6 ans. Donc là, 8 ans pour aller avec les petits shorts là cet été, ça va être très sympa. Et on lui avait pris donc le bleu, le même t-shirt mais en bleu foncé marine, pour aller avec ce petit legging violet. Alors ça, c'est elle qui a choisi, hein. Je vous avoue que je suis pas fan, parce que le legging violet, vous savez, ils vont s'asseoir par terre, ils vont vous le rendre, il va être noir. Mais bon, hein, voilà, à 3 € le legging, il y avait plein, hein, il y avait plein de couleurs, il y avait gris, rose, blanc, enfin il y avait vraiment toutes les couleurs, mais elle a choisi violet comme ça, donc en 8 ans, parce qu'elle a des grandes jambes. Et ben son t-shirt bleu, je ne sais pas, j'avais pris un t-shirt bleu pour aller avec. Je ne sais pas, il a disparu, ce n'est pas grave. Pour mon fils, donc il y a 4 ans, je lui ai pris une paire de baskets. Enfin, c'est ma mère qui lui a pris parce que moi, je n'aurais jamais pris des baskets Spider-Man. Je ne suis pas extrêmement fan des vêtements où il y a des personnages, entre guillemets, connus dessus, que ce soit Mickey, Disney, Spider-Man, Pat Patrouille, etc. Donc là, ma mère a voulu absolument lui prendre des baskets qui, en plus, scintillent, donc qui sont noires et rouges. Donc je vous montre ce que ça rend. Donc il les a déjà pris aussi pour l'école, on verra dans quel état. Il prend un peu plus soin de ses chaussures, mon fils, donc on verra dans quel état ça rentre ce soir. Et du coup, j'ai pris quelques vêtements aussi parce qu'il commençait aussi en étant galère, donc en taille. D'ailleurs, pourquoi on a pris... Ah oui, lui, on a pris 6 ans. Il a 4 ans et on a pris en 5-6 ans. Donc un petit pull comme ça qui coûte 8 €, qui est très sympa. Et on a pris un bas de jogging pour aller avec, noir, comme ça avec les baskets noires et rouges, ça passe. Le voici, le bas de jogging, tout simplement en 6 ans. Hein. Vraiment, ils sont assez simples, hein, les pantalons. J'ai pris des trucs assez basiques. Hein. Je vous montre, mais voilà, ça va avec tout. Il y avait pas mal de choix et le bas de jogging est à 5 €.
Toujours en bas de jogging de la même catégorie, j'ai pris en bleu marine comme ça, toujours à 5 euros en 6 ans. Ça, ça passe avec tout, hein, avec des petits t-shirts pour l'été, pour le sport, à l'école, c'est très très sympa. Et on a pris des petits t-shirts qui pourront aller avec. Et moi, je n'ai pas résisté, hein, je vous ai dit. L'influence de la maman sorcière classe Harry Potter, je lui ai pris ce petit t-shirt qui valait 8 euros, hein, qui était un petit peu plus cher du coup que les autres. 8 euros Harry Potter, donc tout blanc. Alors le blanc c'est aussi c'est risqué, mais bon, on verra si ça tient. Je préfère prendre gris ou noir, mais là il n'y avait pas d'autre choix. Mais il est beau quand même, hein, il est beau. D'ailleurs s'il existait pour les adultes, je l'aurais pris pour moi, j'ai pas été voir dans le rayon adulte. J'irai la prochaine fois me faire plaisir. J'ai pris avec ma maman un petit short comme ceci pour les beaux jours aussi. En taille 6 ans, encore une fois, il valait 6 euros. Ils sont très sympas. La qualité est très cool. Et pour aller avec, des petits t-shirts à 2 euros comme ceci. Regardez comme c'est trop mignon. Moutarde, bleu marine, là, ça va très bien ensemble. Bon, moi, je prends des trucs assez basiques. Hein. Ne m'en voulez pas. C'est pas un haul avec des pièces hyper extraordinaires. Mais moi, je suis assez basique comme fille pour l'instant. Et j'ai pas envie non plus de mettre 15 euros dans un short ou dans un t-shirt pour mes enfants, vu comment ils mangent et parfois ils font des tâches qui sont insurmontables, je préfère pas mettre beaucoup d'argent. Donc là voilà, 2 euros le petit t-shirt qui est très, ma foi, qui est très sympa, et ben ça me va très bien. J'en ai pris un autre comme ceci, manche courte pour un jour les beaux jours, hein. 5 euros celui-ci, et d'ailleurs on a pris en taille 5 ans celui-ci, tiens, on n'a pas pris 6 ans. Donc on va pouvoir lui mettre assez rapidement avec le jogging, voilà c'est très bien. On a quand même pris un petit jean entre guillemets bleu foncé, moi j'aime bien ce genre de couleur en jean. On a pris en 6 ans parce qu'il fallait que ça soit bien long, lui aussi il commence à avoir des grandes pattes. Et il était à 8 euros le jean, donc pas mal du tout. On n'a pas racheté de jean noir parce qu'il en a un qui est encore à sa taille donc ça passe. Mais on lui a racheté aussi des chaussettes, c'était 5 euros les 7 paire de chaussettes avec des couleurs, c'est lui qui a choisi encore une fois. Vraiment, on les a laissés choisir un maximum. Effectivement, des fois, on les a orientés parce que au niveau des prix, des fois, ils me proposaient des pièces qui coûtaient assez cher et moi, j'avais pas envie, comme je vous l'ai dit, de mettre beaucoup d'argent. Mais après, on leur a laissé choisir les motifs, les modèles. Ma fille avait envie de prendre toutes les paires de chaussures qu'il y avait, hein. Ma fille, elle est toujours comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté récemment, avec la réouverture des magasins, est-ce que vous avez craqué aussi pour vos enfants ou même pour vous-même. Et si vous avez envie de voir mes prochains achats aussi pour moi, peut-être que je vais aller m'acheter aussi quelques petites pièces, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On like, hein, n'oublie pas ce petit like qui est, ma foi, très important sur YouTube. Et je vous embrasse tous très très fort. Salut !